Le président. Merci. Daniel, profitez. Salut téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, tout le monde dans quatre coins pays. Et haïtiens qui vivent dans la diaspora, tout haïtien sous la terre, qui tendent nous, qui gardent nous aujourd'hui. Bon proverbe créole qui dit, j'ai fond crié d'avance. Expérience que me fait pendant 3 ans, 4 mois et quelques jours, moi dans notre pays, vient faire que Jean, ça t'est fait. L'homme son, j'aime de New York, moi t'ai parlé et me t'ai conseillé ton prophète que me dit. Moi t'ai dit que y a des bagages, l'homme était maintenant yo, du feu qui allume dans le pays. Je vous dis, on profite de l'occasion, ça, pour me dire. L'homme dit proverbe qui dit, j'ai fait un cri d'avancement. Nous passons l'heure. Nous venons dénoncer. Je vous dis, nous régler le problème avant de venir parler. Problème Gaza, ma petite peuple, je vous dis, nous allons expliquer comment le résoudre. Et qui ça nous fait pour le résoudre. Et qui côté nous y est tout avec lui dans affaire produits pétroliers dans le pays. Nous avons pas un point qui là, qui va le faire nous quelques informations, mais avant de nous donner quelques informations, avant de nous ouvrir le slide, non, pas un point. Haïti est un pays qui est indépendant le 1er janvier 1804. 100 ans après, pour plus précis, 105 ans après, il y a une référence prix qui vient dans le monde. Que gon société qui est les SP Global, qui sont sociétés américaines, qui viennent à quoi on prend référence gaz qui est les Platts. Là, nous parlons de 1909. Depuis 1909, Haïti pour quoi une machine parce que pas oublier première fois pays a gagné automobile. Nous quoi c'est sous président Antoine Simon. Ça veut dire nous pour qu'on boule gaz en 1909. À partir de 1911, Haïti commence à nous faire boule gaz. De 1911 à aujourd'hui, ça fait exactement 109 ans, Haïti n'a jamais connu qui prit gaz vendu dans le monde. Dans l'époque que nous prenons décision, je voulais parler de moi, septembre 2019, avec le nouveau ministre des Finances, donc là, nous avons travaillé pour nous gagner information. Et avec l'autre staff que nous mettons sous pied, nous avons travaillé 24 sur 24 pour nous comprendre. Il prend nous temps. Mais aujourd'hui, nous venons expliquer au peuple, nous-mêmes, ça nous comprendre. Indice de prix, ça crée les plates là. Pour gagner information, ça, il faut payer pour payer pour lui. Ça veut dire, sous son l'État, ou besoin d'une information, c'est pour payer pour lui. Sous son monde privé, tout, qui n'a business gaz, ou besoin d'une information, ou payer pour lui. Et mes femmes disent nous, de 1911, que l'État haïtien a commencé à utiliser le gaz pour arriver 2020, pour arriver avril 2020, l'État haïtien n'a pas de jambes d'information, il n'a pas de jambes compte combien de gaz vend sous la tête. Et pourtant, l'État n'a pas acheté gaz. Il a vendu l'État gaz. Mais l'État n'a pas acheté gaz dans le prix que vous venez vendre. Ça veut dire, première décision nous prenons, pendant que nous parlons là, l'État connaît qui prend le gaz vend sous la tête chaque jour. Ça veut dire que l'État a un point propre contre parler avec la société. Ça veut dire que l'homme vient vendre l'État gaz. C'est l'État qui a dit qu'il prie pour vendre. Ou bien l'État tout. Parce que c'est pas oublié, il y a un client là dans tout. Ça veut dire que l'État a dit qu'on nègre ou bien on compagnie. Mais qui prie gaz là, je vous dis. Mais si vous avez un contrat, vous avez un contrat un an. Est-ce que vous avez un bon prix qui permet moins capable de quimber pendant l'année? Ça veut dire qu'il y a toute possibilité que l'État a négocié aujourd'hui, que l'État n'a pas de bien avant. Ça veut dire que gaz là, c'est pour moi simple. Gaz là compliqué. Nous, est-ce que vous êtes compliqué? Gaz là compliqué en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. C'est pour ça que je me dis aujourd'hui, avant que
Nous entendons l'autre parole à parler. Moi, je viens expliquer nous exactement le niveau de complication Gaza. Nous parlons de Chita, nous Chita méthodologie, nous sommes sous 10 ans. Ça veut dire, nous prenons le 1er mars 2010 jusqu'au 31 mai 2020. Par exemple, nous est bien, nous parlons parler, c'est ça, c'est l'introduction que je fais pour nous, nous parlons parler de situation marché produits pétroliers, et puis nous parlons développer. Difficulté qu'il y a à ce secteur ça, nouvelle décision que le gouvernement prend, et puis analyse subvention et financement pour du pétrolier. Nous faisons introduction déjà, on commence à parler de situation marché. Marché pétrolier en Haïti, nous connaissons bien. Qui quantité acteurs qui viennent sous lui. Mais pour nous développer pour ça, nous parlons des ministres financiers. Qui lui-même, qui ce domaine parle, m'a pas la possibilité pour développer point ça pour nous, monsieur le ministre des Finances. Ou qu'a développé pour peuple haïtien situation des produits pétroliers, situation marché pétrolier en Haïti. Monsieur le ministre. Merci, Excellence. Bonsoir à tous. Merci de l'opportunité offrir, Président, pour m'expliquer mon situation du marché des produits pétroliers en Haïti. Donc, Jean-Président Dili, c'est un marché qui est complexe. Il y a plusieurs catégories d'opérateurs qui évoluent sur le marché. La première catégorie, hein, c'est les gens qui nourrissent les compagnies. C'est eux-mêmes qui font importation de produits pétroliers. Donc, deuxième catégorie d'opérateurs, les gens c'est eux-mêmes qui assurent de distribution de produits pétroliers sur tout le territoire. Donc là, nous parlons de moun qui capable ou bien propriétaire ou bien gérant de station de service. Ça veut dire l'ordre du gérant PM. Dans station service, il y a station service. C'est pour moun yo, moun qui la, mais il y a station service loué loué. Oui. Ok. Il y a station service qui a un lien avec compagnie. Gagne tout, c'est des investisseurs indépendants qui gagnent des stations qui propres à eux-mêmes, qui eux-mêmes capable d'acheter gaz. Ils sont capables d'affilier à une compagnie pour acheter gaz pour revendre. Donc, tout le monde est dans une structure de prix. Alors, ils sont regroupés dans deux associations. Il y a une APPE, c'est l'Association des professionnels du pétrole. C'est la donne de nouvelles compagnies. Tu as dit, vous parlez de APPE, c'est la deuxième compagnie. Compagnie, tant qu'on a une Dinasa, une Bandari, ou bien Capinvest, ou bien Kimatsu, ou bien DNC. Ça veut dire si nous comprenons qu'il y a 5 compagnies qui viennent et qui dans l'association des professionnels du pétrole. Il y a 5 compagnies. Et puis après, l'autre groupe ou Valjoen, c'est eux-mêmes qui regroupent les distributeurs, c'est l'IOL et les ANADIP, Association nationale des distributeurs des produits pétroliers. Donc, Mounsayo, en dans structure de prix, il y a des revenus en dans structure de prix. Donc, pour les compagnies qui font importation, il y aurait les paillois marge compagnie. Pour les distributeurs, il y aurait les paillois marge distributeur. C'est-à-dire, sur chaque gallon produit qui débite sur le territoire, là, bon, là, nous passons directement dans le développement. On met continuer, oui, et ministre. Donc, il y a une partie qui a une compagnie qui fait importation. C'est là, mais de ça, ministre, ça parle. De marge, ou mettre tableau de devant nous. Donc, dans le tableau, ça nous gagne devant nous. Si nous commençons depuis en l'air, nous pouvons gagner, et première, il est marqué Prisif. Prisif, là, c'est le même président qui a parlé tout à l'heure, il a parlé de plates, qui sont indices, que Kounia nous fait commencer pour gagner abonnement. Et puis, avec un autre élément, il est premium. Premium, là, c'est la donne pour gagner. Moi, compagnon, et puis vous payez le coût de transport pour faire produit arriver en Haïti. L'offre en prix produit pour ajouter premium dans ce lit, c'est lui-même, nous venons en valeur, nous avons les valeurs CIF, c'est lui-même la douane pour le prendre, pour le taxer. Donc, la douane le taxer, l'État a gagné, alors je cite les frais de l'État. L'État a gagné frais de vérification sous produit, les droits de douane. Il y a un droit d'accise fixe
et puis il y a un axis variable. Ça fait quatre côtés en dans structure de prix. L'État gagne des taxes, l'État supposé percevoir. Moi, je dis l'État supposé percevoir parce que ça fait déjà longtemps depuis l'État par exemple qu'il percevoir. Après ça, nous gagnons un frais portuaire qui c'est un goutte 15 que APN gagne sur chaque gallon de gaz qui vend. Après, nous avons l'autre taxe sur les redevances carburant. C'est lui-même qui servit pour alimenter le fonds d'entretien routier, le fer. C'est-à-dire, sur chaque gallon de gasoline qui vend avec diesel, fer gagne deux gouttes là-dedans pour capable entretenir les voies, route nous gagne pour faire capable entretenir. Après, nous venons gagner, ça nous relève, maille compagnie. Jeudi, ah bon. Nous regrettons nous pas un tableau pour nous montrer ça m'a accompagné avant. Mais dans la nouvelle structure qui va le proposer là, m'a accompagné, c'est-à-dire sous chaque gallon de gaz qui vend, compagnie gagne 20 gouttes. Mais l'idée, on a dit pour le peuple là combien de temps avant, Denis? 20 gouttes et avant, m'a accompagné 22 gouttes, l'idée? Un peu plus de 22 gouttes. Un peu plus que 22 gouttes. L'idée, un peu plus de 22 gouttes. Ok. Nous gagnons transport province. Pour gaz la cavane, même prix sur tout territoire. Donc, en dans structure de prix, il y a un moyen de mettre qui pour permettre de porter gaz là à tout côté. Dans l'ancienne structure, là, il était 1 goutte 56. Ça fait longtemps, depuis le prix, ça, il était toujours été comme ça. Dans la structure prix Kounia, il vient passer à 9 gouttes. Ça dit 9 gouttes par gallon? 9 gouttes par gallon. Pour transporter, pour transporter gaz en province? Transporter gaz là, aller dans toute province. Après, nous connaissons le gaz là vini, ce n'est pas sortir dans le bateau et puis monter sous machine. Il faut que le gaz là stocké en côté dans le magasin sous douane avant que la douane taxe. Donc pour faire ça, dans la structure, il y a 5 gouttes pour chaque gallon de gaz. Mais est-ce qu'elle était là dans la structure avant, ministre? Dans la structure avant, pas de gain. Mais qui est-ce qui a stocké ça? Bon, décision 1, les prend pour mettre prix stocker ça, c'est parce que dans la structure prix avant, tu as des corps induits. Des corps induits? Oui. Des corps qui te fait en dehors de la structure. Tu as dit des corps qui ne peuvent pas payer taxes sur eux, ministre? Non, pas de taxes qui te payer. Ok, tu as dit, peuple, on comprend 43 millions multipliés par 5 gouttes, multipliés par 12. C'est des taxes. Pas de taxes. C'est des corps que la compagnie te joint. Donc, étant donné, comme ça, la décision qui peut prendre, la compagnie peut perdre du corps, ça, elle ne peut pas continuer à faire. Donc, même côté, ils ont adressé des problèmes pour les compagnies, parce que les compagnies ont payé stockage. C'est ça qui fait dans la structure. Il y a 5 gouttes qui viennent comme stockage, nous mettons dans la structure. Là. Avant, pas de gain. Ça veut dire, si je comprends, c'est 43 millions. Puisque nous commandons à moi 43 millions gallons par mois, plus ou moins, c'est 43 millions multiplié par 5 gouttes. Oui. 5 fois 4, 25 fois 3, 15, ça vaut 215 millions de gouttes multiplié par 12. Ça veut dire, nous comprenons. Ça, comme ça, c'est comme qui prend le monde qui a un stockage plus. Ben. Gagner de l'autre installation pour gaz l'an passé. Donc, comme ça, après le monde, ça y est. T'as dit, l'État n'a jamais touché aucune taxe, aucune droit sur comme ça, sur stockage dans le pays. Non, stockage là, bon, comme son business lié, dans la fin d'année, mettre stockage là, capable de déclarer dans le DGI qui ça le tire. Mais pas de jamais une déclaration avant. Et bon, puisque nous-mêmes, c'est qu'on y a nous mettre, c'est qu'on y a nous suivre stockage là. Très bien. Nous gagnons maille distributeur. Maille distributeur, c'est-à-dire les gens qui mettent station, qui vendent gaz là, sous chaque gallon, là nous avons une structure gasoline qui est devant nous, sous chaque gallon de gasoline qui vend, les gens qui mettent station ou bien gérant station, ils touchent 30 gouttes. Ça veut dire que les gens qui ont gérant station, qui ont propriétaire station, business li fait, qui balle station gaz là, pour le faire profil, il fait 30 gouttes sur chaque gallon de gasoline qui vend. Chaque gallon de gaz qui vend, okay. Distributeur, il fait 30 gouttes. Très bien. Ok, donc c'est en gros, l'homme prend structure, ça là, je dis, nous, dans la structure Gaza, l'État a perdu, taxe l'ité pour le faire, pas fait, il a perdu 75 gouttes 84. Mais combien l'autre privé, yo? Ça veut dire combien il a monté, combien montant yo? Et. En gros, monsieur, si nous prenons ensemble de taxes qui pourraient joindre monsieur privé, il y a 30 gouttes, il y a 9 gouttes, il
gain 5 gouttes, gain 20 gouttes. 20 plus 30 fait 50, 59 plus 5, ça fait 64 gouttes. Ça fait 64. Mais 64 gouttes, nèg privé, l'État perd 75 gouttes, 84. Mais et, c'est normal, monsieur secteur privé, business a fait. Il y a même 64 gouttes par wak direct. Il y a toujours gain des compressibles, il y a toujours okay. 64 gouttes sur chaque galon de gaz qui vend. Ok, mais l'État, sous chaque galon de gasoline, l'État perdit 75 gouttes. Je dis à l'État, après nous finissons passer maintenant la structure là, l'État perdit 75 gouttes 84 sous chaque galon de gasoline qui vend. C'est-à-dire pour le peuple qui a joué le gaz là, 224 gouttes là, pour oui. Toujours continuer à venir 224 gouttes là. Pour prix gaz là qui a été dans le niveau lié là, 224 gouttes, l'État lui-même l'oblige à renoncer à 75 gouttes 84. Par galon? Par galon. Ok, comme qui doit faire l'école, route, l'hôpital et autres. Très bien. Donc ça c'est structure gasoline non? Même problème non ou je n'ai bon 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 montre ça c'est structure ça c'est gasoline là c'est ça, diesel c'est kérosène kérosène ouais ça dit un point prix total kérosène non, pour me comprendre c'est 215 gouttes nous vendons kérosène non, là je dis à 173 gouttes. Ah ok ça dit bon l'autre cop que l'État perdu sous lui encore sous galon kérosène non, l'État perdu 43 gouttes 22 93 pour permettre de rester 273 pour le capable de continuer à vendre à 173 gouttes. Ok. Qu'on y a, ça, c'est diesel là. Oui. Diesel là, l'État perdu 39 gouttes 74, 79. Pour prix à la pompe, qui a arrêté à 179 gouttes. Mais bénéfice par secteur privé à respecter, dans tout, ni dans le gaz, ni dans le diesel, là, ni dans le kérosine, ministre. Non, parce que par ailleurs, il est incompressible. Quel que soit le cas de figure considéré, il y a toujours fait ça comme il y a toujours gagné un cobre blanc. Très bien. Très bien. Ça veut dire là, pour nous tourner dans le côté de DEA, ça sont partis dans le développement. Ok? Je crois que. Nouvelle décision, est-ce qu'on peut parler de yo sur prix structure pour yo ou parler moun yo de structure pour yo? Mais qui nouvelle décision l'État prend dans ça, je vous dis, pour nous comprendre cela très bien. Pour commencer, ça l'État prend comme décision, étant donné, alors ça, c'est situation nous présenter là, Kounia, c'est avec nouvelle structure nous pouvons le mettre en place là. Mais avant, situation était plus grave. Donc, nouvelle décision qui prend. L'État a décidé de faire des économies. C'est-à-dire, côté de la compagnie qu'on a fait en plus, donc l'État a décidé de les couper comme ça. Très bien. Mais en même temps, l'État a coupé, il y a des coûts que l'on a assuré dans le comme qu'on a joué en plus. Là. C'est ça que fait l'État a mis 5 gouttes pour stockage, et puis comme pour transport à l'intérieur du pays, il était 1 goutte 56, l'État fait le passer à 9 gouttes. C'est-à-dire, pendant qu'il a coupé dans le comme qu'on a fait, mais d'un côté tout l'État mettait comme en plus pour nous comprendre bien parti ça ministre pour expliquer c'est que dans quoi ou tu gon ou parler là commencer qui les bénéfices induits c'est un gros mot français on va expliquer le bien pour peuple là bon pour peuple là mon bon ça nous dit bénéfices induits c'est que le prix produit là parce que structure qui gagne là nous on travaille pour une faire transparent OK parce que avant structure ton genre opaque dans bénéfice oui structure était opaque parce que produit là là où t'acheter lui, où t'acheter là en prix, il y aurait les plates. C'est lui président et pas l'État l'heure. Nous même nous pas disposer d'information ça. Le compagnie est venu avec produit, yo même yo baili à un prix, il y aurait les Caribbean Posting qui sont indices qui disponibles dans Caraïbes là. Donc il acheté là en prix, mais là n'a fait structure de prix, hein, c'est Caribbean Posting non, yo bail. Et un différentiel, c'est ça nous les gains indiens. C'est les gains bénéfices indiens, oui. Différentiel là, oui. C'est différencié entre prix acheté et prix de vente. Et plate ça. Okay. Et différentiel ça, nous, ouais, il prend de plus en plus, l'a augmenté, qui fait que, quel que soit le prix produit maintenant, avec différentiel ça, tout le temps existé, l'État, pas ta jambe, sorti avec un yen comme Bruxelles. Très bien. Ça veut dire différentiel là, c'est entre prix. Plate ça que acheté a et puis ou dit Caribbean Posting c'est ça pour y venir oui, Caribbean Posting et c'est en dedans ça a tout qui fait que stockage a pas de paraître avec oui prix transport a pas de paraître prix transport a pas ajusté ça pas dit rien parce que monsieur yo te fait suffisamment de crop dans différentiel ça qui fait yo te cap continuer yo même payer et stockage et transport ça dit l'État pas de jouer rôle de régulateur
Donc l'État dans tout pays sur la terre. L'État est absent. Ok. Faut que nous reconnaissons ça. Très bien. Mais ça n'a pas sans conséquence. Ok, vas-y. Il n'y a pas sans conséquence parce que si nous prenons de 2010 rivé, par contre, si vous voulez présenter. Oui, on présente, on a allé là, dans le tableau ça. Le ministre n'a pas les conséquences. On a allé sous tableau de mars 2010 pour le ministre Ban une explication. Arrivé mai 2020. Nous avons peuple là mais plus clair sur gros tableau, sur le gros chiffre, tout 100 milliards de gouttes de ministre. De mars 2010, arrivé jusqu'au mois de mai, 31 mai 2020, l'État a perdu 113 milliards 507 572 551 gouttes. Ça veut dire en 10 ans, l'État a perdu 113 milliards de gouttes, 113,5 milliards de gouttes. Oui. Qui équivaut à combien de dollars là, là c'est... Ça fait et environ, li mette nous dans 1 milliard 722. Ça veut dire 1,7 milliard de dollars. Oui. Mais pour nous comprendre, ça moi-même, je demande des explications tout sur le tableau. Ils hein. ont calculé le changement chaque année. Oui. Ça veut dire que c'est passé, ils 113 milliards et puis ils ont divisé le pas taux de change aujourd'hui qui 115, 113. De combien, mais l'essentiel, yo calcule chaque année. Oui, c'est lui-même qui vient bail, yo moyen pondéré de 1,7 milliard de dollars que l'État a perdu en 10 ans. Maintenant, pour où nous parler de 1,7 milliard, est-ce que vous avez regardé pour nous, ministre, de mars 2010, nous avons regardé pendant le président tout. Ça veut dire qui ça l'État a perdu avant et qui ça qui perdu pendant là. Parce que je crois qu'on tableau. Mais. Ok, très bien. Ça veut dire là, nous venons sur cela, dit la ministre. Moi, je vais chercher le document. Ça veut dire. Qui est clair, sous explication entre octobre 2016 à septembre 2017. Et puis pour nous garder de octobre 2017. Oui, alors voilà. Moi, ben, ventilation tableau pour nous capable de comprendre. Mm. Donc là, nous dit l'État a perdu 113 milliards de gouttes en 10 ans. Ok, qui est le tourné? Là, ok. Il y a deux parties là-dedans. Nous mettons passer dans l'autre slide. Mettre passer dans là. Oui, ça, oui. Ok. Il y a un côté, c'est recette, l'État n'a pas fait. Mais il y a un autre côté, pas de recette, mais l'État obligé. Mettez là. Pas gagné, l'État obligé de mettre compte. Ces situations, ça, nous t'es gagné, qui t'es arrivé nous juste avant le corona. Ça a été monté nous presque 2 milliards de gouttes par mois. Mm. Donc c'est ainsi que, non, et 113 milliards de gouttes là, gagné les pertes de taxes qui représentaient pour l'État environ, pertes de taxes là, qui représentaient grosso modo, 83 milliards de gouttes. Mm-hmm. Différence là, lui-même, c'est lui-même qui nous relève subvention. Ça veut dire, lors de subvention, ça veut dire subvention, tout à l'heure, perte, droit et taxes, ça veut dire, comme l'État doit joindre dans la taxe qui est sous gaz là, plus financement que l'État fait. Oui. Ça veut dire. Donc, dans le dernier budget, nous avons gagné en 2017-2018 rectifié. Nous te prévois l'État a fait 20 milliards de gouttes comme recette. Nous te prévois l'État a fait 20 milliards de gouttes comme recette sous gaz. Sous gaz seulement. L'État a fait 20 milliards de gouttes. Donc nous finissons l'exercice là avec zéro goutte de recette. Et l'État lui-même subventionné. Pour nous piquer, on nous prend subvention qui fait sous deux dernières années. Ok, 2018-2019. Donc, et puis jusqu'à il représentait 24,7 milliards de gouttes. Ça veut dire deux, ça veut dire pour me comprendre bien, il y a 3 ans, 4 mois, président, 2 ans là-dedans, il représentait 24,7 milliards de gouttes. Oui. Mais total là, pour 10 ans, il est 27 milliards. Total subvention pour 10 ans, il est 27 milliards. Financement. Financement. Mm. Mais sous deux dernières années, nous battons record. Les 24,7 milliards. Ça veut dire depuis le peuple a compris. Depuis bah, la chaud, depuis nous avons la chaud du feu, là, là on peut y monter. Je nage dans des eaux troublées. Ça veut dire. Voilà. Mm.
Là, il dit maintenant, pour nous comprendre le tableau, ça clair, ça dit de 2 ans et quelques mois, 24 milliards 734 millions, 24,7 milliards de gouttes en 2 ans et demi. L'aurait tiré dans 27 milliards total, là, ça veut dire reste 7 ans et demi, hein, égal à 2,5 milliards de gouttes. Donc, ça pour les gens qui ont suivi le tableau, regardez là, nous, pour l'année, là, nous commençons avant Corona. Mm-hmm. Nous avons dépensé 9,6 milliards de gouttes. Dans le financement. Oui, financement. Donc c'est le corona a venu, subvention en fond baissé. Mais nous n'avons pas dit nous sommes dans la subvention. Mais le corona, est-ce que le prix gaz a été baissé? Pendant que le gaz a été baissé sur le marché international, la ministre, est-ce que nous-mêmes qui avons acheté ici, est-ce que nous avons un jour, le gaz a été baissé moins 37 dollars baril? Est-ce qu'elle a été baissé pour nous, ministre? Non. Et nous avons une baisse. Nous avons observé une baisse, mais baisse la pas arrivée dans le niveau pour nous faire éliminer la subvention. Malgré la baisse, nous avons toujours subvention. Malgré la baisse, nous avons toujours dans la subvention. La subvention a été réduite en pile, mais nous avons toujours dans la subvention. Ça veut dire que le Bali, là, le 1er octobre 2019 à mai 2020, l'État a perdu 13,4 milliards de taxes et puis l'État a perdu. Mais tableau 9,6 milliards de gouttes. 9,6 milliards de gouttes. Ça fait en tout octobre 2019 à mai 2020, l'État a perdu 23 milliards de gouttes. Ça veut dire qu'on compte octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 7 mois. Parce que meilleur, on dit ça, que pas de commande. Nous, ton Jean-Lé, nous travaillons moi, j'ai un ministre. Nous comptons dire que nous te font freiner, c'est ça? Bon. Et le nom de l'hémorragie, donc c'est ça qu'on va l'expliquer. Quelqu'un appelle d'offres qui va le faire. Exactement. Pour nous capables de chercher de meilleurs prix qui pour faire le gain baisse sur le marché international là, pour nous-mêmes, pour nous ressentir tout sur le marché local. Là. Très bien. Ok, ça veut dire que je crois que là, et m'a passé comme dans les journalistes, parce que je crois que la ministre. Bon, on a parlé de dernier tableau ça. Pour nous composer en subvention, pour nous en termes de pourcentage, pour nous comprendre, avant pour nous finir, vous avez une explication sur le tableau ça, parce que c'est technique. Pour composer en subvention, nous gardons nous, et perte totale de l'État, c'est ce qui nous dit qu'il représente 100%. Donc, il y a une perte de taxes qui représente 88,2%, et puis il y a un financement qui est 11,74%. Ça, c'est pour de octobre 2017 à 2018. Oui. Octobre 2018 à septembre 2019, perte là, ça veut dire, ça me vient comprendre, c'est que financement a monté. Financement a monté année après année, c'est subvention. Ah, j'avais dit, c'est comme cash là. Oui. Ah, vous comprenez. Année après année, subvention lui-même l'a monté. Soit en 2018-2019, ou est taxe là en 2017-2018, il était 88%, mm-hmm. Il vient passer à 60,42%, mm-hmm. Et puis il y a un financement qui montait à 39,58%. Ça dit dans le dernier moment même, pic. Bon, ça, c'est terrible net. Mm-hmm. Il était subvention, il était représenté 41,73%. Mais qui est pas que ça a gagné sur l'affaire de dollars, tout le ministre? Bon, avant le journaliste, je pose des questions. Eh bien, là, c'est relation directe. Parce que là, nous considérons le financement monétaire que l'État a obligé de faire. Parce que comme ça, on a bien compris cette période-là, et DGI et la douane, où c'est chuté. Mais pendant ce temps, il faut que nous venions comme pour nous financer le gaz-là, pour prier à la pompe pas changer. Donc là, ça, nous n'avons pas l'autre recours. Nous sommes obligés d'adresser nous à la Banque centrale, nous faire ça nourrir les financements monétaires, et puis qui pourrait le traduire par qui ça, il pourrait venir faire une détérioration au niveau du taux de change. Parce que depuis ces financements monétaires, là, on mettait good sous marché. Donc, good, ça réserve avec eux pour acheter comme américain. Donc, ça vient faire une dépréciation de la monnaie nationale. Très bien. Très bien. Et là, on croit que. Tableau, ça, son tableau. Ou pas le public, ministre. Bah, la presse est haute, c'est ça? Bon, ça, nous. Dès jeudi, c'est des tableaux capables de disponibles pour tout le monde. Là, ça, il y a posé journaliste d'investigation qui fait. Oui. Qui fait économie, qui comprend l'économie bien, il y a même il y a bien donc, de le fouiller parce que bon paquet d'informations, ben, ça est caché. Okay. Donc, il est capable de poser des questions et puis jouer toutes sortes de réponses. Solide. Ok. Eh bien, moi, je pense que je ne sais pas si je vais faire un point à l'heure.
c'est le bon point de vue faire, mais en attendant, on a passé. Donc, c'est une question. Réponse à la journaliste. Si vous n'avez pas comprendre, vous voulez poser des questions. Merci, monsieur le président. Nous avons rappelé que la conférence de presse est en direct sur Radio Télévision Nationale d'Haïti, est en direct sur Scoop FM, Caraïbes, Radio Télé Caraïbes, Radio Télé Guinée, Radio Télé Superstar, li en direct tout sous Radio Canary FM, li en direct sous Radio Massacre, Radio Télé Border Power, Radio Royal FM, Radio Nativité, sous Tripotaille Lacay, Contact Inter, Nativité, Nirvana, Venus FM. Et oui, nous arrivons dans la période de questions. Hein. Alors, la première question, Métropole, on va faire le tour pour être capable de venir devant la caméra, s'il vous plaît. Donc, ou en direct dans le palais national, côté que le président PIA fait le point sous le secteur pétrolier, comment est-ce que le gouvernement a travaillé pour assainir le secteur ça? Merci, bonsoir. Je suis Loge Millefond, je travaille pour Radio et Télévision Métropole. Monsieur le président, monsieur le ministre, nous t'amenons beaucoup plus clair. Si nous bien comprenons, il y a de nouvelles dispositions qui sont adoptées en ce qui concerne l'importation de produits pétroliers dans le pays d'Haïti. Président Moïse, vous parlez de Platts. En fait, ministre Sophie, nous avons parlé de Caribbean Caustic, si je ne me pas trompé, qui sont deux indices de prix que généralement nous avons acheté, quoi, nous acheté, en fait, importateurs ont acheté sous place là, ils vendent suivant Caribbean, non? Ça qui constitue un manque à gagner pour l'État haïtien, si je comprends bien. Mais la disposition, c'est qui ça lié? Est-ce que je dis, c'est en fonction de un seul indice de prix, l'État va acheter pour du pétrolier, ça, ça va nous présenter en termes de gains pour nous, puisque nous montrer que, en quelques mois, il y a plus de 24 milliards de gourdes de déficit que nous faisons, de pertes que nous faisons. Et maintenant, comment est-ce que ça va influencer, diffusion pour que consommateurs, au niveau de pouvoir essentiel, capable, soit justement ou bien baisse, et éventuellement, qu'un bébé plus stable. Merci. Monsieur le ministre. Bon. Sous Platts avec Caribbean, non? Platts Caribbean, nous parlons de indices. Gagnon, c'est un indice utilisé sur le marché nord-américain que nous avons les plates. Et puis, Gagnon, c'est un indice utilisé dans les Caraïbes, là, et les Caribbean Posting. Donc, un différentiel qui est important. Le constat que nous faisons, c'est que, au fur et à mesure, le prix a baissé sur le marché international, là, pendant que Corona, le plate là, a baissé, le Caribbean, lui-même, l'a augmenté. Donc, toute baisse, tout le monde attendait qui gagne sur le marché international, là, les capter dans niveau différentiel là. Et ça veut dire baisse cap mon attendé ya, ça veut dire li pas un impact direct sur l'indice et Caribbean Posting. Li gon impact sur marché local là, mais qui faiblement ressenti. Qui veut dire ou pas senti l'attendé a dit prix a chuté sur marché international là. C'est vrai ou gade ouel sur marché international là, mais sur marché local là différentiel, ça m'explique, nous, qui gagne entre le Caribéen et le Plate, eh bien, il était là. Besselant, il était là, il absorbé. Donc, ce qui fait que, là, nous venons garder nous, tout le monde a pris les fuck prix gaz là, il t'a baissé, et nous-mêmes, nous, pas ouel. Donc, nous creuser, nous venons différentiel là, c'est là, il capté. Donc, c'est ça que fait, moi, dit qu'il y a des économies qui fait, parce que différentiel, ça, des fois, il y a 40 centimes. Ok, bon, ça, m'a aimé. Font petit point sur les tout parce que j'ai pas oublié et son bataille est difficile et me comprendre pas facile pour comprendre me comprendre question journaliste en tout sous c'est un coup place là pour me comprendre bien ça dit ministre il a acheté c'est ça grand monde longtemps relé ou acheté chat dans ma coûte Caribbean Posting ça veut dire c'est un coup son bataille qui non ma coûte pas personne qui prie que moun ka acheter gaz qui vient en Haïti yo personne pa jam konn ki pou acheter jusqu'à ce que l'état haïtien rive gagner capacité ça konn ya pour le gagner pour référence ça lui-même a dit jodi a l'état haïtien en capacité chaque jour pour le konn ki pou plat ça mais avant pas de gars faire de plat du tout monsieur acheté en dit ministre so dit il dit que li konn mon différence 40 centimes si par exemple il acheté gaz là $1 dans plat ça yo vinn vendre $1.40. Mbe ça clair pour est-ce que c'est ça ministre c'est ça? Oui. Ça veut dire $1.40 dit gon 40 centimes c'est 40 centimes multiplié par 43 millions. Pas bien c'est 43 millions gallon, c'est ça nous consommer par mois. Ça veut dire l'on prend 40 centimes par 43 millions, gon abaille ministre santé parler de bénéfices induits pour nous comprendre gap ça qui aux environs de 18 à 20 millions de dollars et c'est la donne que on paye et
stockage là et transport que je dis à l'État haïtien prend décision pour faire transport apparaître dans structure bria dans prix normal li, parce que c'est pas possible parce que moi l'aime te dit oh on goûte 56 pour payer un gallon gaz pour aller port de paix moi même son côté me connaît ça veut dire un camion cal port de paix maximum gaz capoter c'est 6000 gallons parce que avec état route là ça veut dire 6000 multiplié par 1,56 camion pour aller port de paix pour 10000 gouttes il pas vendre sens c'est pour ça le ça maintenant ministre autorité de l'état au travail qui fait que aujourd'hui même camion ça qui vient 6000 gallons nous ouais c'est 6000 multiplié par 9 gouttes ça veut dire reste comme ça c'est que monsieur était qu'on paye toujours mais on était joindre dans gap de mes deux profits ça que a faire on y a maintenant nous vient mettre par la transparence c'est ça ministre oui pour le clair pour tout le monde ça veut dire me voulez pour nous comprendre bien que parti ça place avec Caribbean Coasting deuxième partie question et mon quoi ou songer les qui sont partie qui est important tout Daniel souhaite qu'après appeler ministre deuxième partie question éloge décision ça qui implication et moi ministre te souhaite expliquer dans tableau ou carré expliquer là encore ministre combien comme l'état perdu pour qui ça Gaza donc voilà. Et m'te dit gagner des économies qui fait le nous supprimer différentiel qui gagne entre Caribéen et des plates là. Et puis, en même temps, il y a une partie de l'économie que l'État prend pour adresser le problème de la compagnie. Il paye 5 gouttes pour le stockage et puis il fait pour le transport à l'intérieur du pays passer de 1 goutte 56 à 9. Donc, là, l'État lui-même lui fait une économie qui fait que, je dis, si l'économie n'a pas de fait, si nous regardons ce tableau-là, l'État perd du 75 gouttes sur gallon gasoline. Non? Pour nous avoir un prix galon et prix effectif galon gasoline, je dis, il faut mettre 75 gouttes sur 224 gouttes nous gagnons qui là. Ça veut dire prix à 293 gouttes 04 plus 6 gouttes 80. Oui. Ça veut dire c'est 11 aux environs de 300 gouttes prix normal gasoline là aujourd'hui. Je dis. OK. Mais qu'a vendre 224 gouttes là, mais ça me veut pour me comprendre bien ministre. Ça veut dire 224 gouttes aujourd'hui, nous pas gain dans financement, l'état pas qu'on pas un imprimant qui va imprimer l'argent dans le financement aujourd'hui. Non, ça. Donc, ça, c'est recette nous perdons. C'est recette nous perdons, mais nous pas à porter l'argent. Non, là, nous pas porter comme aller. Très bien. L'économie en ligne juste permet nous pas porter comme pour nous. Mais si le prix a continué à monter, ça va arriver que nous porter comme. Nous allons reporter comme. Mais s'il monte, c'est plat, ça va parler, ça fait pas Caribbean Posting. Jean journaliste métropole là. Non, pour nous, nous pas gagner Caribbean Posting encore. C'est plat, nous gagnons seulement. OK. En papagne de 10 ça éliminer net. Non, nous c'est un seul nous adopté Kounia, c'est le plat. OK. Et depuis ça veut dire depuis 60 ans 50 bon, ans. Bon, depuis nous là comme peuple pas de jambe bien ça. OK, très bien. Ouais. Prochaine question. Non pas monsieur Louis Jean-Louis, m'a travaillé pour télévision nationale d'Haïti. Monsieur le président, dans ce semaine qui s'est passé à BRH sorti en circulaire côté le mandé pour transférer au pays en goud. Et si toutefois un monde a besoin de toucher en dollars, il exige faut qu'il gagne un compte et en dollars qui existait. Comment ou même ou est décision ça? Son question pas une question Gaza mais si c'est question d'actualité à fait dollar goud ça, je crois que m'a répondu et m'a dit que décision que m'a prend depuis là nous t'entendez me dit tirer ça c'est pour peuple là. Toute décision que m'a prend sont décisions qui va aller dans sens peuple là. Moi, j'ai fait, je crois qu'en Conseil des ministres, nous prenons un décret qui était clair que nous avons la Banque centrale doit, pour lui-même, parce que c'est une entité qui est responsable, une autorité qui est responsable politique monétaire pays. Le ministre financier qui est là, le premier ministre qui est là, je pense que le premier ministre a bien pour ajouter la donne. Moi, je crois que demander dans les heures qui viennent, pour une réunion qui fait. Pour une décision qui prend, pour décision aller dans l'avantage peuple haïtien. Parce que depuis longtemps, Chaudi a monté sur un nom, et puis les manger à cuite, ils descendent sur l'autre nom. Elle dit Chaudi a fallu monter sous même nom, et puis pour Chaudi a descendre sous même nom. Non, arrêtez les peuples là. Ça veut dire Chaudi, moi, quoi que pour le ministre, là, pour l'ajouter, parce que moi, je des fois, on rencontre qui fait en urgence pour que décision prend et ça arrive pour ces avantages peuple là qui. Respecter nos affaires
transfert goutte, ça fait goutte dollars que nous avons parlé. Je ne sais pas si le ministre finance, on va vous l'ajouter ou bien l'aptan réunion après réunion, bien pour le ministre. Bon, je vous dis là, autorité monétaire, c'est la Banque centrale. Donc, nous préférons que c'est la Banque centrale qui pote réponse. Nous-mêmes, comme citoyens, comme économistes, nous comprenons la décision qui pourrait aller dans le sens pour vraiment aider à améliorer ça nous gagne sur le marché de change. Mais le porteur, c'est la Banque centrale. Nous souhaitons que c'est la Banque centrale qui lui-même baille tout élément qui marche avec décision ça. Très bien. Et demandez pour le ministre, pour une réunion qui fait pressé, pour que l'intérêt peuple la respecte, pour que tout ça qui prend, il prenne avantage peuple haïtien. Et je ne sais pas si il y a l'autre question sur. Non, monsieur le président, on va continuer. Sur l'affaire Gaza. Maintenant, mon point important que je voulais faire pour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, tout internaute qui a regardé nous, qui a attendu nous là. Je voulais faire un point important sur les affaires subvention de l'État. Nous avons quitté le tableau gasoline. Ça veut dire pour nous comprendre bien, parti nous avec un rouge qui n'a mis tant tableau, c'est parti ça, c'est lui-même qui parti secteur privé. C'est ça, ministre. Oui. Ça veut dire marge compagnie. Ça veut dire c'est gros compagnie qui gagne gros tank qui fait transport et autres qui gagne gaz à stocker. Transport provincial, nous t'ai expliqué déjà. Stockage là, nous comprenons ni tout. Ça veut dire moun qui stocke gaz là. On prend exemple terminal yo, et nous compte qui plus gros problème nous en Haïti. Plus gros problème nous. Haïti a une capacité pour stocker gaz pour 21 jours. C'est ça le pays sur la tête, tout le monde. Ça veut dire, les gens qui ont business gaz, moi je pense que son réflexion est capable de pousser depuis les problèmes qui ont parlé dans le pays. Mais bah, moi-même, comme président, je ne sais pas si les gens disent que, on nous augmente le stockage nous pour 2 mois, pour 3 mois. Ça veut dire, le stockage là que nous avons aujourd'hui, nous avons stockage pour 21 jours. Nous avons un gros problème qui arrive là. Information que nous avons, importateur, il a importé 250 000 barils de gasoline. C'est ça, ministre? Oui. Bateau arrive avec 250 000 barils de gasoline, nous avons un côté pour nous prendre 198 000 barils. Ça veut dire que l'autre 52 000 barils là, mais le reste là sur bateau, et nous avons les demeurés du peuple là. Pour nous comprendre que demeurés, j'ai dit bateau, c'est pas des pour lui. Des pour faire bateau à venir, ou pas un côté pour débarquer. Chaque jour bateau à faire dans le pays, vous payez combien vous payez, ministre? Environ 25 000 dollars. 25 000 dollars par jour. Et bateau a supposé finir de débarquer depuis avant hier. Oui. Bateau a prêté juste pour 29. Ça veut dire bateau a parti pour 10 jours dans le pays, à 25 000 dollars. Multiplié 25 par 10, c'est combien? 250 000 dollars. Ça veut dire aujourd'hui, son bail qui clair. Si vous commandez gaz ou livini ou pas capable, ministre, je crois que la population a tant de dollars, je ne sais pas si vous pas le fouet. C'est pas dans quel état nous allons payer 250 000 dollars, ça, ça vous pensez, ministre? Bon, moun qui te fait commande par le biais de BMPAD. De BMPAD, hein? Qui te fait commande, bon, c'est vous qui avez pour supporter. C'est vous qui avez pour supporter 250 000, ok? Ça veut dire que tout le monde comprend pas ça parce que là, notre problème que nous avons là, nous avons affaire de transfert cash. Ministre, semaine, j'ai encore dit, c'est plus que 100 000 personnes qui ont reçu le transfert semaine. Ça, mais il y a des difficultés ou même pour dire comment ça est. Et je pense que semaine, ça n'a pas recommencé avec vous, mais environ 100 000 personnes. Qui pourraient recevoir la semaine. Ça veut dire que l'ordre après 250 000. Un petit calcul là, 250 000 multiplié par 115 gouttes, nous avons combien de gouttes ça fait divisé par 3 000 gouttes. Nous avons combien qui t'a suivi, qui t'a pris dans mes peuples là, et puis sortant de là, l'État, nous avons longtemps, c'est l'État qui a payé 2 mérites déjà, c'est ça, ministre? Oui. Ah bon, ok. Ça veut dire 2 mérites déjà aujourd'hui, mettre 2 mérites, appuyez-vous sur le côté 2 mérites. Ça veut dire, peuple là, il faut le clair pour nous comprendre que, pour qui ça, vous mettez nous là? Vous mettez nous là, peuple là, mettez pour me travailler avec un grand monde. Avec. C'est ça qui fait qu'on n'y a pas de temps. Je ne vais pas aller en avant. Je vais aller après. Ça veut dire problème, Gaza. Il finit résoudre. Je dis à ne pas aller. Ça veut dire nous ne pas aller.
c'est le problème, pas oublié. Son problème, moi, depuis le mois de septembre, nous avons combien de mois je vais me parler de lui. Nous allons me parler 15 octobre, je ne vais parler de Gaza. Ça veut dire que je vais me parler parce que 10 mois après. C'est pour me dire que le problème, je veux que la population comprenne ça. C'est pas un job qui est facile que le bon moyen. C'est un job qui est extrêmement difficile. C'est un job qui est complexe en pile. Côté nous, même quand on est là, je dis à la, il y a des gros amis qui viennent tourner gros lèvres même dans les affaires Gaza. Gros amis, hein? Gros amis. Quand il y a gros lèvres même. Qui dit que pas un profit dans l'affaire Gaza, quand c'est un coup son business pour quitter. Ou est-ce qu'on quoi qui fait son gars, gasoline, peuple, 64 gouttes. Mais il faut quitter, il faut que les gens quittent le business. Avec dit, je dis, je dis tout le monde pour comprendre pas ça. Que le pays a, je dis, les gens des gens dans la tête qui ont dirigé, qui connaît que. Le, c'est intérêt population qui pour défendre, il n'y a pas de amis là-dedans. Il n'y a pas de camarades là-dedans. Et c'est pour ça que nous prenons une grosse décision tout pour demander au Premier ministre là, avec nous là. Je vais demander premièrement, sur la première question, je vais clair pour le faire rencontre. Pour problème pour avantage peuple à respecter n'a fait goutte dollar mais PM mais m'a tout dou tout m'a tout mando pour que inspection générale des finances UCREF avec ULCC montent tax force tout de suite moi PM pour fouiller j'ai gardé son aspect légal financier avec conformité pour aller fouiller j'ai gardé depuis 1er mars 2010 parce que c'est là non. C'est lui moi qui veut. Pour y aller fouiller, j'ai regardé pour y aller. Mais pour y mettre accent plus sur pendant moi-même, mon président là. Parce que pendant mon président, sur 27 milliards de là, il y a 24 milliards de partis. Pour la population qui arrive à comprendre, EPM, institution, ça a eu 30 jours. Pour y avoir nous, un résultat. Sur ça, pour y fouiller, j'ai regardé. Sur aspect, son audit la pièce, sur aspect légal, financier et de conformité. Ok, sur, dans les affaires, appel d'offres. Qui t'est passé entre l'État haïtien et compagnie privée. Et non seulement appel d'offres tout PM, je voulais pour ça clair tout dans tes ports, achat qui fait yo. Parce que moi qu'on est, gon moment, pendant mandat PAM, pas de appel d'offres. Mais personne ne va jamais me dire ça. Ça veut dire, bonjour, directeur BM Badlakla, relais directeur cabinet, directeur cabinet. Est-ce que vous avez fait la présidence, s'il vous plaît? Directeur cabinet a dit, mais bon, qui suis-je? Elle dit, oui, c'est son affaire, garde les gens. C'est pas des ministres. Finance. Bois avec là. Et là, m'a parlé de moi. Là, ça paye à chaud. Il lock. Et puis, je dis, directeur cabinet a passé DGA. DG a dit, président, nous avons un problème. Il dit, sors rien, DG. Il y a une lettre que je reçois là. Et je me dis, mais qui lettre lié? Il dit, mon lettre que je reçois. Qui dit que si je n'ai pas d'autorisation pour importer gaz avant 2 heures, il y a bon aussi qu'il a dans toute pompe pour dire que le pays va libérer un gaz. Il dit, oh, ça lettre. Il dit, mais je n'ai pas besoin de l'autre bail, président. Premium lettre là, c'est 37 centimes. Un DG a là. Ou pas venir dire pour ministre mais je m'étais cité déjà venir balle 37 centimes nous on dit ça veut dire premium dans 37 centimes moi dit DGA et mon pas gagne l'autre fois signer vous aller parce que nous pas comprendre gaz là expliquer à nation l'autre moi même de parler avec directement sur affaire 37 centimes expliquer ça 37 centimes là pour le comprendre et 37 centimes là jodia à combien 37 centimes dans vignes? Expliquez. Merci, Excellence, merci, Monsieur le Président. Je salue la première dame qui est là. Je salue l'autre autorité qui est là. Je salue la presse parlée, télévisée en ligne qui est là également. Je salue le ministre de tutelle qui est là, PM qui est là, et le ministre du Commerce et de l'Industrie, qui est également membre du conseil d'administration du BMBAN. Question Gaza, dont histoire là-dedans, qui est montée à. Environ un an. Gain les peuples là-bas, tout le monde autour bien. Font-ils retirer le. Yes. Qui ont mis main en bagagan BMPAD pour mettre projecteur sous BMPAD
et au fait que puis obtenir libéralisation importation produits pétroliers. Là, on dit libéralisation importation produits pétroliers. Expliquez-moi en créole. Pour déjà. Permettre que chaque monde commande Jean Ouvlé. Monde commande gaz Jean Ouvlé. Jean Ouvlé. Yes, ok. Côté BM, pas exercer de contrôle sur question de prix, prix platio particulièrement, que nous n'avons pas de gagner dans le pays, et marge également. Finalement. C'est sur l'être là où vous êtes. L'être tout est sorti. L'être là, tu fais état de bon niveau qui arrivait, compagnie. Au départ, pour nous préciser, on dit avant. BMPAD qu'on organise un appel d'offres ouvert et transparent pour toutes les compagnies, ça qui remporte l'appel d'offres là, commandé pour tout l'ensemble des compagnies. Dans libéralisation, hein, c'est deux ou trois jours avant, une compagnie écrit pour dire que mépris que la baille, particulièrement au niveau du premium. Avant libéralisation, hein, il y a deux premiums qui étaient connus. Mon chat dit deux jours, trois jours avant. J'aurais le nom de mes amis, je recevrai l'être là. À deux, je vous réponds ça. C'est à midi, nous recevrons l'être là ce jour-là. Le mousse va l'être là. Moi, je mets deux mains en tête. Moi, je relais directeur cabinet président. Moi, je me parle avec le président. Parce que faut qu'on décision qui prend. Parce que ce jour-là, si nous pas accepter tel que l'IA, je peux déclarer que yo en pénurie de produits pétroliers dans le pays, hein? Et puis des blousailles pétées pirées, j'en sais toujours qu'on fait tout le temps, et qu'on profite de ça. Il y a un premium de 37 centimes par gallon. Jodi, hein? Même premium 37 centimes, ça, il réduit à environ 6 centimes 55 par gallon, 8 centimes 11 par gallon, et 6 centimes 25 par gallon. Ça veut dire ça, on veut dire là. Il dit appel d'offres qui fait là, la Kounia. Suite à appel d'offres qui fait Kounia là, ah. Après l'État haïtien, fin kembe monsieur yo en flagrant délit de mauvaise pratique, tel que ça s'est expliqué là. Très bien. Nous t'es obligé prendre courage nous à demain pour nous informer le président de la République. Parce que finalement, tout ça qui a passé dans le pays a. Qui ouvre le tout pavlé, dans fin journée, objectif final là, c'est mettre le président en difficulté. Et comme c'est lui qui visé pour mettre en difficulté, moi-même, par la suite, je retourné auprès de mes supérieurs hiérarchiques immédiats pour me bien que je me suis pas trouvé à cette époque, pour me excuser que le fait que moi, franchi deux étapes, me rivé contre le président, pour me capable informer. Mais non, mais faut expliquer que... peuple là. Dans l'époque ça c'est dans du feu nous. C'est dans du feu parce que pour mémoire, on a monté pour mémoire, on a rappelé que combat libéralisation importation, c'est un combat que moi-même m'étais assumé à bois le corps et m'étais dit monsieur clairement dans une rencontre qui t'ai gagné dans primature période là, c'était presque insolite. Pas de jamais qu'on ait rencontré qui fait dans la primature dans le cadre de produits pétroliers avec monsieur. Là, on va parler de mars janvier 2018. Oui, là. On a parlé de. Non, 2019. En 2018. Non, 2019. On a parlé en 2019. C'était, oui, c'était en février, janvier. Là, il disait là, ben, après le point 6 milliards, 400 millions. 6 milliards, de gouttes, 6 milliards, 5 millions de gouttes pour longer. Via le trésor public pour payer sa nerelé, les a remboursé subventions telles que le ministre financier s'est expliqué là. C'est ça que fait dernièrement, moi, font déclaration, monsieur le président, je pas assumé devant tout le pays, je dédie que, bail peuple haïtien une chance, parce que c'est comme quoi, pandémie, qui a ravagé le pays, qui a ravagé le monde, et en particulier Haïti, il n'y a pas assez pour le peuple haïtien, il devrait tout faire peuple haïtien. Mais heureusement, suite à l'instruction de recevoir du ministère de tutelle, nous organisons un appel d'offres ouvert et transparent. Et moi, je m'en mettre blanc allemand, blanc polonais, quel que soit blanc lié, viens mener une investigation, viens mener un audit sous appel d'offres qui est organisé le 30 avril.
moi-même m'a constitué tête moi comme prisonnier sur si jeune de loin ou de près BMPAT. Eh ben il crafial CCIGF en collusion avec n'importe qui monde dans secteur A. Parce que nous-mêmes nous estimons que travail n'a fait dans direction c'est travail pour pays A et comme suivant instruction président, instruction pour ministre, instruction ministre de tutelle long, c'est pour peuple haïtien. Ça veut dire pour me comprendre bien 37 centimes là comme moi tu es obligé par autorisation tout de suite pour tout de suite si n'a pas de bail paysan t'a connait de turbulence de jours vraiment tête chargée tel que habitué organisé là. Ça dit 37 centimes là il tournait qu'on y a 8 centimes. Il tournait jodi 6 centimes. Il retournait environ respectivement 6 centimes 55, 6 centimes 25 et 8 centimes 11 dans appel d'offres ouvert ouais, transparent côté tout secteur APPE participe la donne. Il y a des mêmes opportunités, mêmes possibilités pour te remporter lui sauf et moi pas de compte motivation yo. Jodi m'a annoncé peuple haïtien que produit pétrolier là, yo rivé. Nous te gagnons dans un premier temps 150 000 barils de diesel qui rivé mardi dernier. En jeudi, en dimanche, par la suite nous venons gagner environ 290 000 barils de produits qui arrivaient, dont 250 000 barils de gasoline et 40 000 barils de kérosène. Maintenant, nous gagnons, hier, début week-end, nous venons gagner environ 150 000 autres barils de diesel qui arrivaient. Nous gagnons sur le territoire, là, je dis environ 600 000 barils de produits pétroliers. Bien que, Jean que le président a fait remarque là, et ministre de tutelle, la ministre de l'économie et des finances, a précisé là, comment de le lancer. Il a voulu faire peuple haïtien comprendre que c'est BM qui par en mesure pour mettre produits à disponible, rendre produits à disponible, produits à venir, plein rien fait. Il a écrit BM Pad, agent maritime, il a écrit nous pour dire que monsieur n'est pas en mesure pour recevoir gaz là et que gaz là a prêté au bateau a fait quelques jours en plus côté que nous allons obliger payer 25 000 dollars américains par jour ça m'était qualifié m'assumer m'était dit ça sous les ondes de certaines stations radio m'était attribué là de la méchanceté et me confirmer c'était méchanceté que était hier faut que jodi a des deux monde qui a parlé dans pays a faut que yo bail peuple là font il passer bail peuple ont il chance parce que le peuple là il est respiré et m'a dit que Jean ministre de la santé précise là son principe élémentaire de droit que lié personne ne va bénéficier de propre erreur ou et comme l'erreur c'était au niveau du secteur que il était sorti faut assumer lui puis payer des méridieux normalement pénalité ou ça n'est les pénalités normalement. Merci. Merci monsieur le président. Merci DDG et merci ou madame Chita. Ministre commerce, parce que vous là, vous m'êtes venu pour venir expliquer au peuple là. Parce que ça fait Gaza, c'est stocké. Gaza stocké. Venez expliquer au peuple là comment ou même ou pour aller ou pour le travail pour que l'État toujours connaît. Ce n'est pas question de monde qui vous connaît quantité de gaz qui vient dans le pays. Pour expliquer au peuple là comment on y a l'État pour le connaître exactement qui quantité de gaz qui vient dans le pays et régulièrement. Merci président. Excellence président de la République. Madame Première Dame, Premier ministre, ministre Finance, directeur BMPAD, la presse, président, ministère commerce, dans une mission régalienne, c'est protéger consommateurs. Consommateurs, petit peuple là, j'en ai toujours dit, qui reste là, c'est pour le peuple là. Là, nous sommes gardés tableau, ministre finance là, nous sommes expliqué à la population. Et nous tendons, directeur BM Pad là, pas gain l'autre bagaille là dans le président. Ça, c'est des profiteurs, des mouns qui ont fait marché noir. La loi prévoit des sanctions pour tout monde
qui fait spéculation marché noir. Ministère commerce, nous sortions une note déjà semaine dernière pour nous voyons un message by moun sa yo, pour nous dire cette fois-ci balle la fin jouer. Balle la fin jouer dans cadre contrôle et compte tout monde qui fait spéculation marché noir. Eh bien, la loi décembre 1946 là, il prévoit sanction pour moun sa yo et toute disposition déjà prend au niveau ministère commerce et industrie pour faire mettre fin dans question spéculation illicite marché noir ça. Ça veut dire pour me comprendre ministre pour faire de stockage là tout Jean directeur BN pas de là. Les pays me dit au pays a dit tête en bas barricade à droite à gauche. Monsieur relem pour dire que dans deux heures dedans s'il pas signe bah ça dans lettre là ça le dit. Il y a une circulaire qui a sorti pour dire que il y a un rationnement. Il dit que les gens ne doivent pas sortir de circulaire sans même ministre de commerce. C'est vous-même qui avez autorisation ça d'abord. Oui, c'est nous-mêmes mais au niveau ministère qui avons autorisation. Hein, parce bon, que les gens prennent le pays comme une savane. Et oui. Je dis à Foc Loyo, ils campent. Et Loyo, ils debout. Et oui. Nous croyons que dans le cadre de mission ministère de commerce, et n'a prend toute disposition de façon à ce que pour moun sa yo yo suspend kraze pays ya yo suspend piye pays ya et ben si gon mon ti bagay et ben au moins peuple là va participer là-dedans. Merci ministre. Merci. Monsieur le premier ministre, m'pa konn sou bon point parce que gen gros responsabilité sou do sou rencontre m'konn on va le faire tout à l'heure. Sur affaire de dollars, goudza, parce que faut nous jouer. Faut peuple avec clair. C'est pour tout le monde venir expliquer. Même j'aimerais même camper venir expliquer sous gaz là. Dernière conférence moi, de presse que je fais, c'était 15 octobre, il y a 9 mois. Je dis à me venir camper. Je parle, je m'entends. La presse comprend. Je dis tout le monde ça. Pas de pays sous la tête dirigée. Si toute catégorie moun pa la pour respecter la loi là-dedans. Et c'est pour ça wall pa nous à quel que soit niveau moun nan yé. Quel que soit niveau richesse ou fortune. Quel que soit niveau de pauvreté ou. Quel que soit couleur ou. Quel que soit classe sociale qu'on appartient, c'est faire respect ou. Quel que soit moun. Ça dit jodi hein, li clair, gon problème qui passe dans pays là, problème Gaza. Moi même les bouleverser comme président parce que il y a bagarre m'pas fin comprendre il y a m'a clair là-dedans. C'est pour ça que jodi a moi mandé premier ministre pour que mon comité ça li mette sous pied parce que moun k'ap travaille dans ULCC yo c'est l'état k'ap paye, c'est l'argent peuple k'ap paye. Moun k'ap travaille dans UCREF c'est l'argent peuple k'ap paye, c'est l'état k'ap paye. Moun k'ap travaille dans inspection générale des finances c'est l'argent peuple k'ap paye. Peuple haïtien même j'aime camper là jodi a. C'est pour monsieur ça pour venir camper pour venir expliquer peuple la bagage ça parce que m'a pas fin comprendre ni juste qu'on y a le pas trop clair dans tête moi. Ça dit si moi comme président m'a pas fin trop comprendre ni ça veut dire on peuple haïtien il pas jamais bien comprendre ni c'est que Jean ministre commerce ça sous dit là leur bon bagage comme ça qui arrivé faut gain éclaircissement sur lui si gain sur facturation parce que nous songe dans tête couleur vieux rappelez-nous ça veut dire si gain sur facturation. Si il y a monde qui peut payer pour ça, c'est pour monde payer pour lui. Si il y a un petit monnaie, si bah peuple là pour retourner Bali, retourner. Si pas gagner tout. Nous amis, c'est parce que entre le secteur privé et le secteur public, pas qu'il y a bataille. C'est entendre pour nous entendre nous. Mais pour le bien du pays, mais qui est-ce qui paye? C'est peuple là. C'est monde qui vivre. C'est dire si aujourd'hui il y a un groupe monde riche net au dépend de au détriment d'un groupe qui pauvre net. Pas quelqu'un côté nous parler. Ça veut dire moun sa yo n'a toujours mettez moun sa yo dans condition pour nous faire moun sa yo comprendre son menace que vous représentez pour nous. Et c'est pas ça que vous devez. Par exemple, jodi gasoline rete sous la mer. Est-ce que le normal? Il est pas normal. Mais si des grandes ententes qui te joignent entre l'État
et nous-mêmes qui avons importé gaz. Ça n'a pas été privé. Mais pas oublier, ça n'a pas fait bien comme président. C'est-à-dire, ce n'est pas 25 000 dollars qu'on va le payer. Non, 10 jours, fait 250 000 dollars. On ne peut pas avoir payé le tout. Parce que c'est un profond l'absence. Mais si vous n'avez pas de côté pour mettre 250 000 barils de gaz, pour qui soit recommandé? C'est pour nous arriver, nous joindre en entente. Parce que le pays a bouqué. Les bouqués dans le gourmet, l'État a goumac privé, privé a goumac l'État. Pour qui ça? C'est pour nous chaque, nous respecter les limites. Nous. Ou là pour faire business, pour faire profit. Ça veut dire profit, vous dit qui ça? Profit, vous dit leur respecter la loi. Profit, vous dit leur par exemple, mon business, tout le monde est majeur. Je regarde un tableau qui a circulé sur les réseaux sociaux. Que moi-même, je le Premier ministre. Le Premier ministre dit ça y est. Comment vous comprenez que BNC, Banque l'État, GAP, taux de change, il y a plus gros parce que tout le monde. Ça veut dire. Ça veut dire ça, il faut gagner une décision qui prend le Conseil des ministres pour mettre GAP sous taux de change pays. Pour tout le monde qu'on nous dit, lorsqu'on l'argent a changé, on dit c'est 0,25 à 0,50 ou 0,75. Moi, par contre, on est banque. C'est droit de change. Comme on est banque, c'est un change pour faire business. Ça veut dire. Il n'y a pas de sens. Alors, nous voulons ça pour moi-même, pour me d'accord. Si c'est ça que vous faites pour un examen, je n'ai pas besoin d'examen. Je dis à ce bout clair, et nous avons conseillé des ministres mercredi PM, ministre finance en clair. Non, même rencontre ça m'a dit pressé pour qui pour faire avec Banque Centrale là. C'est pour problème ça a tout posé, pour un décret qui prend, pour que les gens respectent le gap dans les affaires de changer de dollar dans le pays. Ce n'est pas possible. Ça veut dire, pour qui ça c'est moins comme président, c'est moins obligé, river pour faire bouche dans ça. Faire respect nous, chaque monde. Nous ne pouvons pas prêter pour nous comprendre comme si Bagala c'est son bécane, des guidons qui lague. Non. Non. Où nous payons le travail, il faut qu'on ait un niveau bénéfice pour faire. Ce n'est pas nos seuls deal pour riches. Il faut mettre un nombre d'années pour travailler pour faire l'argent à faire. Et je crois que ça clair pour tout le monde. Je ne vais pas aller de même, je ne vais pas aller. Tout le monde dit moi. Parce que je suis président tout haïtien. Qu'on riche, qu'on noir. Qu'on soit en dehors, qu'on soit la ville, je suis président nous tous. Mais je dis, messieurs, dames, demandez-nous. Faut freiner. EPM, nous ça. Décision qu'on prend, élève, décision qu'on prend. On ne peut pas les respecter. Prison faite pour tout le monde. Il faite pour toute couleur. Tout le monde respecte les décisions que l'État vient pour le prendre, pour que le peuple ça, pour le rallonge. Merci un peu.